Salut à tous, c'est Naz. Donc du coup les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Donc comme vous l'avez vu, une vidéo setting et pour apprendre les bonnes mécaniques de Fortnite. Chapitre 2, saison 3, assez rapidement pour pouvoir être au top au niveau des caps. Donc simplement les gars, dans cette vidéo, on va voir trois étapes essentielles. Donc d'une, ça sera l'entraînement au niveau des touches et tout. Donc je vais vous donner mes propres touches avec ma propre sensibilité. Il faut savoir que chacun doit posséder ses propres touches et sa propre sensibilité. Car on n'a pas les mains fait pareil, on n'a pas la même mentalité, etc. Voilà les gars. La sensibilité, c'est pareil, mais je sais que je suis plus habitué à jouer sans si basse, d'autres sans si haute. Après, c'est à vous de voir et c'est à vous de vous adapter. Ceci, les gars, on verra la vision de jeu. Donc, c'est pareil, ça dépend de quel est votre style de jeu. Si votre style de jeu, c'est de jouer comme Tixi, et ben jouer comme Tixi. Si votre style de jeu, c'est plus de jouer comme moi, c'est de poser le game. Mais en même temps de faire des kills, vous faites ça. Si votre but, c'est juste de faire des tops et sans faire de kills, et ben c'est votre style de jeu. Voilà. Donc les gars, du coup on va se retrouver sur la petite partie, donc là où je vous donne les touches avec la sensi, donc simplement pour que vous pouvez vous habituer à avoir des bonnes touches, ou même si vous n'avez pas de repères, au moins vous aurez un minimum de repères pour pouvoir après avoir un bon gameplay dans le jeu. C'est des touches vraiment de base qui sont très essentielles car elles sont vraiment optimisées pour les débutants, voilà. Et moi je les ai quand même changées parce que bah, même si c'est des touches de débutants, elles sont très très bien. Voilà les gars, donc on passe directement sur le game. Hop, et donc voilà les gars, donc comme vous pouvez le voir ici, donc simplement on se retrouve sur la partie. Donc mon jeu est en anglais, vous inquiétez pas, c'est normal, je pense que je vais vouloir passer en français. Voilà, donc simplement les gars, donc c'est très important, c'est de jouer un plein écran fenêtré comme ça, donc du coup ça bloque. C'est ce qui optimise le plus vos FPS, c'est comme ça que vous en aurez le plus. Là ici ça dépend de vos PC, donc le mieux pour savoir ce qui est le mieux pour vous, c'est que vous allez simplement, c'est que vous ayez en créatif, vous regardez votre taux d'FPS maximum. Genre par exemple, moi je sais que le maximum, faut pas regarder là où c'est marqué plus et moins, faut regarder là où c'est constant. Donc en gros je vais vous expliquer rapidement, c'est la partie qui est ici, donc à gauche. Donc comment vous le montrer précisément, normalement vous voyez à peu près, donc en gros là c'est là où ça bloque à 165 constant, vous voyez tout en haut, et là tu vois ça vient de changer un petit peu, donc je sais pas si vous voyez c'est lesquels, mais c'est ceux qui sont tout à gauche au niveau de la barre d'FPS qui est tout en haut ici à peu près, si vous voyez. Voilà, donc c'est très important. Donc moi j'ai bloqué à 65, vous voyez que si je mets en illimité, bon, ça va prendre un peu de temps mais bon, on s'en fout. Voilà, si je m'en illimité, vous voyez que je suis à 190-200. Bon, c'est vrai que je pourrais bloquer à 200-190, vous direz. Sauf que le problème, c'est que si là je joue comme ça, bah, dans mon jeu, je vais avoir full saccade. Et genre, du coup, il y a des fois où genre ça va être pas flic pour moi. Bon, là, c'est extrêmement flic, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, voilà quoi. Ouais quoi que c'est vrai que c'est fluide, mais genre vous voyez comme là où j'ai une petite saccade, c'est un peu chiant quoi. Que le fait de bloquer à 165, pour moi en tout cas avec mon PC, bah c'est vrai que c'est... Oh, souris qui est cassée bien évidemment. Ça permet d'avoir un gameplay un peu plus constant quoi. Voilà, bon là c'est moi qui me suis fait dans mes touches mais... Ouais bon. Vous avez compris, là je fais de la merde sur mon solo build, mais vous avez compris. Voilà, donc le fait de bloquer à 65, même in-game, en fait ça va pas mal vous aider. Parce qu'en fait, une fois que vous allez vous retrouver in-game, le fait de perdre un petit peu d'FPS, le fait de bloquer auto où vous êtes le mieux en créatif, bah en fait ça va aider votre PC. En gros, je sais pas trop comment vous expliquer, pour moi c'est clair dans ma tête, mais est-ce que pour vous ça sera clair, je sais pas. Mais en gros, c'est ce qui va vous expliquer, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les meilleures optimisations après une game. Le fait de bloquer à 165, ça vous évitera pas mal de saccades in game. C'est vrai que c'était pas le meilleur exemple en créatif, mais in game, je sais que moi mon PC bloque à 165 les FPS et c'est vraiment parfait. Genre, c'est vraiment le top du top. C'est là où je freeze le moins, vraiment, c'est parfait. Luminosité 125, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'aime bien 125. De Terranopi avec la nouvelle zone, ça sert plus à rien, il n'y a plus aucun mode daltonien qui fonctionne. Force de correction pareil 5, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vraiment plus aucun mode de daltonien ne fonctionne à travers la zone. Donc moi c'est vraiment juste pour garder la qualité du gameplay, etc.
Pré-réglage de qualité, donc moi je laisse comme ça parce que je pars du principe où ça optimise vos performances, même in-game ou en arène. Je sais que, genre, la distance d'affichage, je vous dirais oui, mais au moins tu peux voir les ennemis de loin. Ouais, ok. Sauf que du coup, ça va me forcer à aggro les gens. En fait, c'est tout bête. Sauf que moi, si je vois un ennemi, je vais être. Tu vois, je vais avoir au moins l'envie d'aller l'aggro. Le fait que je le voie pas, au moins, tu vois, je l'aggro pas. Je prends pas de dégâts pour rien. Il prend pas de dégâts pour rien. C'est fini. Et au moins, comme ça, quand je me tape un fight corps à corps, bah, je suis fluide. Que le problème, c'est que par exemple, si je mets comme ça, comme j'ai mis une période et comme ça, trop de saccades. Là, je suis saccadé à 0. Je reprends les walls de n'importe qui et c'est parfait. Résolution 3D 100%, c'est obligatoire, les gars. Vraiment, c'est très important. Synchronisation verticale, faut pas le mettre, les gars, parce que simplement ça vous enlève beaucoup d'FPS et ça sert totalement rien. Flux de mouvement, bon, vous êtes pas obligé sur PC, mais sur les PS4, c'est très très important pour les joueurs console, etc. C'est vraiment très important le flux de mouvement. Affichage des IPS, bon, bah, ça c'est pour voir. Les FPS, comme je vous ai montré tout à l'heure, DirectX 12. Alors pourquoi 12 et pas 11? Simplement parce qu'en fait, c'est le système au-dessus, même s'il est qu'en bêta, c'est quand même le système au-dessus et ça augmente quand même vos performances. Voilà, c'est simplement ça. Autoriser le. Ça dépend des PC, les gars. Moi, je sais que j'ai un PC qui a plus de cœur, donc je peux me permettre de mettre ça. Après, voilà quoi. Donc après, bah, ça c'est la logique. Donc ici. Moi je vous fais un bref passage, je vais pas tout vous lire non plus, vous avez qu'à après regarder et faire des pauses. Et c'est pareil, j'hésite à enlever mes rediffusions, mais en vrai ça me sert quand même. Mais genre j'hésite à les enlever parce que je me demande si ça crée pas des saccades in-game. Hop, après bon, ça vous faites comme vous voulez les gars. Manette, je pense que j'ai pas trop besoin. Après, vous pouvez quand même les regarder si ça vous fait plaisir, les joueurs manettes. Voilà. Pour le son, c'est mon paramètre que j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Donc, ça, c'est clair que je ne change pas et je ne changerai pas. Voilà. Et donc, là, du coup, les gars, on passe à la partie des touches. Et donc, là, c'est très important. Quoi? Je savais même pas que j'avais ça. Bon, vous pouvez laisser en vrai, c'est pas très dérangeant, je pense. Ouais. Donc voilà. Je vous laisse faire des pauses pareil les gars sur les trucs. Alors, bouton de la souris pour l'arme 2 les gars, en fait, je vous explique. Le bouton de la souris pour mon pompe, en fait, donc je vais vous expliquer vite fait avec ma souris. Donc vous voyez, oui, putain, j'ai donné un coup de molette comme un coup. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est marqué ici, bouton de la souris pouce. Donc en fait, je vous explique sur ma souris, donc pas mal de gens doivent connaître ces souris-là. Vous avez un bouton, oui, ici et un bouton ici. Donc moi, mon pompe, les gars, c'est sur mon pouce qui est le plus éloigné. Donc en gros, qui est vers mon écran, pas vers moi. Donc mon pompe, c'est le plus loin. Ok? Et donc mon deuxième bouton, vous allez voir après. Donc après, ici, voilà. Donc l'espurlette, pour ceux qui savent pas, arme 5, c'est la touche numéro 1 de votre clavier, donc tout en haut, au-dessus du A, pour ceux qui sont en AZERTY. S'accroupir en construisant, voilà, donc ça c'est bon. Et donc du coup voilà, pour le sol, donc du coup ce coup là ça va être la touche qui va être le plus près de vous, donc au niveau de votre souris. Donc ok, donc la plus loin, l'arme 3, l'arme 2, donc pour moi c'est mon pompe personnellement. Et le sol après, du coup, après voilà, si par exemple votre pompe vous le mettez en arme 3, et ben là vous inversez les deux par exemple. Vous voyez ici, si c'est votre PM, votre AR, je sais pas. Donc simplement les gars, ça peut être compliqué. Ici c'est mon AR, mon pompe, ma PM, sniper ou grosse potion ou truc comme ça. Et donc la mini potion ou bandage ou ce que j'ai quoi. Voilà, c'est l'utilitaire ici. Ou même nade, ici les grenades aussi. Voilà, donc du coup le sol ici les gars, donc c'est le bouton le plus près de vous. Escalier F, ça j'ai pas besoin de revenir dessus. Ça c'est pareil, la touche de toit, c'est très important les gars. C'est de mettre une touche extrêmement accessible. Parce que moi en fait ce que j'ai fait au tout début en jouant, c'est que je me suis pas habitué à appuyer sur ma touche de toit. Et vous vous souvenez quand je jouais sur PS4, je mettais que des sols sans mettre des toits au-dessus de moi. Parce qu'en fait le problème c'est que ma touche de toit, j'étais plus habitué à aller la chercher loin. Du coup, bah, genre, c'est extrêmement dur, vraiment. Là où je l'ai mis, c'est extrêmement dur, mais une fois que vous l'avez, c'est vraiment trop fort. Genre, en fait, une fois que vous avez la touche dans la tête,
fait c'est un réflexe, genre en fait vous avez limite vous mettez moins de temps à mettre votre toit que mettre votre escalier, genre c'est vraiment trop fort. Et pourtant le F vous-même vous savez que c'est rapide hein. Placer la structure, bon bah ça c'est réparer, améliorer, on s'en fout. Changer de matériaux, on s'en fout. Modifier, donc voilà, donc ça c'est pour la réédite molette, des gens qui veulent la réédite molette. Moi j'édite avec E, pour moi c'est le meilleur bouton perso. Et pour la réédite, du coup les gars, vous mettez votre molette du haut pour la modifier construction. Hop. Et donc réinitialiser la structure, c'est haut de la souris. Donc pareil, donc les deux vous les bindez au même endroit. Hop, donc là sélectionnez la après c'est pareil. Après là vous mettez ce que vous voulez pour ça, hein. Clairement il n'y a pas de. Il n'y a pas de choix bon, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de bon choix, voilà. Je vais y arriver. Ouais ça c'est bon, placer, appuyer pour parler, moi j'ai mis F3, après vous mettez ce que vous voulez. Bon le reste on va pas se mettre, qu'on s'en fout un peu je crois, ah non on s'en fout pas. Passer à l'outil de collecte, donc en gros les gars je sais pas si vous connaissez, mais genre sur les souris, il y en a pas toutes qui le font je pense. Mais en gros sur ma souris, moi quand j'appuie sur ma molette, donc vu qu'elle est cassée, que c'est ma deuxième souris que je casse et que vous le verrez que c'est pas la même que la vidéo setup, car ma souris que j'avais, je l'ai cassée, celle de la vidéo setup. J'ai vraiment ragé, genre j'ai pété un câble sur la souris, elle faisait que de bugger, elle m'a saoulé, je l'ai cassée. Et donc du coup, ouais, donc en gros, si vous voulez, quand vous appuyez sur votre molette, donc sans le défiler ni rien, vous appuyez juste dessus, en gros c'est un bouton, donc ça s'appelle bouton milieu de la souris. Donc en gros c'est ça pour passer à ma pioche. Voilà, donc pour ceux qui cherchent la référence de ma souris, c'est la G502 Captor Hero. Le mieux c'est l'édition blanche, après vous prenez celle que vous voulez. Là c'est pareil, sélecteur de piège. Bon, est-ce que c'est vraiment très utile de vous marquer ça? Je pense pas, parce que bon les pads, voilà, ça sert plus qu'aux pads et même plus aux pièges. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer la fin? Ouais, donc ça c'est mes touches pour porter un gag ou quoi. Après c'est des bonnes touches pour moi, après si vous voulez changer c'est pas un problème. Ouais. Là je pense qu'on est bon, je pense que j'ai rien d'autre à vous montrer ici. Bon la vidéo va durer un petit moment quand même. Qui reste l'analyse et tout, mais ça c'est pareil, je peux vous les montrer les joueurs qui souhaiteraient. Donc ça c'est les meilleures touches pour moi, la manette. Après vous faites comme vous voulez, vous mettez une petite pause et tout, voilà voilà voilà. Hop, et puis bon voilà, c'est pas très utile non plus, voilà. Maintenant les gars, ce que je vais vous apprendre, c'est comment j'ai appris à savoir éditer. Bon, c'est pas pour me vanter, mais genre, voilà quoi, mes edits elles sont fluides, comme tout le monde qui sait éditer sur le jeu quoi. Oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent clavier souris et qui galèrent à éditer, genre leurs touches, ils connaissent pas. Donc moi la technique que j'ai appris pour apprendre mes touches le plus facilement, c'est déjà vous tapez full map edit, comme ça vos touches d'edit vous les connaissez. Parce que les map edit en fait c'est tout bête, ça va vous apprendre et vos touches pour edit, vos touches de déplacement, votre touche de saut à apprendre à la gérer. Ça va apprendre à gérer déjà votre sens et vous allez savoir à peu près le bon mouvement pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Donc déjà juste quand vous aurez un ennemi in game qui commence à faire des trucs comme ça, bah, vous voyez vous connaissez votre sens et tout. Voilà, bon ok, pour faire des turns ça va pas beaucoup vous aider, ça c'est sûr, vous allez pas faire des turns avec des construits. Les turns edit je pense que ça existe pas encore. Waouh, je fais un turn edit, c'était malaisant, désolé. Voilà. Voilà, donc hop, on va éditer ça comme ça. Donc après, ce qui peut être bien déjà pour s'entraîner à bien edit, c'est de faire des edits un peu comme ça, d'essayer d'aller plus rapidement possible, vous voyez. Donc ça vous entraînera à utiliser votre molette, à donner le bon coup de réédit pour qu'il soit efficace mais sans vous rater. Vous voyez. Et en même temps ça vous apprend le mouvement en gros. Ça vous apprend votre sensi pour faire de ça à ça en fait. Ça c'est déjà bien. Ensuite une fois que vous commencez à bien comprendre vos touches, votre sensi et tout, vous allez avoir la partie du build. Et là c'est une partie assez compliquée. Parce que je m'en souviens que quand j'ai appris à build sur Fortnite, j'étais perturbé par... mes touches de manette,
Donc la meilleure technique les gars, c'est que si vraiment vous n'arrivez pas à build, en mode vous appuyez sur votre touche de... Parce que moi je sais que c'était ça au tout début quand j'ai appris à jouer. C'est qu'en mode je faisais ça. Et genre en fait moi j'ai juste à sélectionner ma touche, j'ai pas besoin d'appuyer sur ça en fait quand je buildais sur ma manette. Donc du coup souvent je me retrouvais à faire ça et je tombais comme ça, vous voyez. Je faisais ça et puis voilà quoi. Donc du coup ce que je vous conseille pour les joueurs manettes qui passent la vie et qui regardent la vidéo, c'est que sur votre manette, vous faites aller 2 heures de créa avant d'apprendre vos touches de build et vous mettez vous enlevez en gros l'auto build et vous posez vos structures comme ça. Et comme ça directement quand vous allez passer sur votre souris, bah vous allez vous en souvenir qu'il faut appuyer comme ça. En fait ça va juste vous enlever votre vieux réflexe de manette qui est énervant. Donc du coup vous allez avoir le réflexe d'appuyer. C'est vraiment comme ça que j'ai appris, hein. En plus je vous promets que c'est pas une blague. C'est comme ça que j'ai appris à arrêter de sélectionner ma touche. Donc du coup voilà les gars, donc une fois que vous allez avoir appris tout ce que je viens de vous apprendre, vous allez commencer à arriver à un moment où votre edit vous allez la trouver fluide. En gros vous allez edit comme ça, vous allez dire bon c'est plutôt pas mal. Vous voyez, vous allez faire des trucs un peu comme ça. Vous allez dire bon c'est plutôt pas mal, je me débrouille bien. Vous voyez, vous allez prendre votre edit, vous allez faire ça, vous allez dire bon bah ça va, je me débrouille bien. Hop, et là vous allez prendre un retour à la réalité, vous allez en vrai game, il y a un gars qui va vous aggro, vous allez commencer à faire des trucs comme ça. Bon, on va faire un peu plus en situation, le gars est là, et là vous allez vouloir edit et vous allez faire et vous allez mourir. Je sais, je suis passé par là. Donc avant de commencer à aller en vrai game et à vous faire péter les fesses parce que vous n'allez pas avoir après tout comme il faut votre mur en ayant la pression d'un ennemi derrière vous, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller sur une île prairie, vous allez faire exactement ce que je fais et je veux exactement que vous fassiez ce que je vais faire parce que c'est très important. Vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça et vous allez faire exprès sans aller dans le mode créatif et créer vos trucs avec les spécialités. Vous allez le faire comme je viens de vous montrer là. Ok, parce qu'en fait il y a un moment où ça va vous saouler de le faire et vous allez faire un effort en fait. C'est vraiment mais magique, hein. Le corps humain il est magique. Et en gros vous allez faire ça, vous allez vous entraîner à aller plus vite sans vous fail, le plus vite, 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 le plus vite. Et vous voyez, et genre à force de faire ça en allant plus vite, bah déjà vous allez avoir des petites mécaniques qui vont commencer à venir. Hop. Donc après ce que vous allez faire c'est vous allez construire des trucs comme ça. Hop. Donc ouais, comment je faisais un truc comme ça je crois. Hop. Hop, vous redescendez, vous rééditez, vous redescendez, vous rééditez. En fait le fait de faire tous ces exercices là, mais en fait ça va vous faire travailler tous les exercices qu'il faudrait voir en fait. Hop. Donc après vous allez apprendre ça pour bien positionner votre souris pour que vous ayez bien l'axe pour pouvoir monter comme ça. Hop, après vous allez faire pareil avec les chapeaux. Les chapeaux comme ça, les chapeaux quand vous les passez au-dessus d'un chapeau comme ça. Voilà, faire ça avec tout. Ensuite, pour les escaliers, vous allez faire un... Bon, attendez, parce que là je suis un peu en train de me fatiguer. Mais le mieux, ça serait que vous fassiez ça comme ça, ok. Mais bon, moi je vais pas me fatiguer, je vais faire ça hein, tout simplement. Nice, nice BG. Hop, et donc là vous allez venir et pareil, va falloir s'entraîner à pas se fail, à bien edit. Pas edit le plus vite parce que escalier, plus vous allez aller vite, plus vous allez vous fail le début. Mais après vous allez pouvoir aller commencer à aller plus vite. Hop, et une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez repasser. Hop, hop, et vous mettez un mur. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu mets un mur, tu vas pas rééditer ton mur comme ça. C'est nul, ça sert à rien. Hop. Et vous faites bien les allers-retours que je fais là. Je perds du temps un petit peu sur la vidéo. Je pense que je ferai des 4 entre chaque temps. Mais c'est important de tout bien reddit. C'est vraiment très important de tout bien reddit. Comme ça en fait ça vous fait travailler en même temps votre reddit et tout ça, aller plus vite à apprendre le bon geste. Parce que ça paraît bête mais ça va vraiment vous apprendre les mouvements. Hop. Donc là vous voyez, vous entraînez à bien reddit comme ça. Voilà, à pas filer comme je viens de faire. Très mauvais exemple. Voilà, vous avez... Bon, moi c'est parce que j'ai extrêmement la flemme de bouger mon bras. Ça, ça a toujours été même sur le map edit. Hop, et là vous allez refaire un retour comme ça. Hop. Et le but c'est de faire le retour sans se fail. Et si un fail, vous repartez. Donc là comme là.
Hop. Jusqu'à temps de pas vous fail. Et vous faites des tours jusqu'à temps de plus vous fail. Voilà, donc là, hop, là, je suis censé refaire un tour. Moi, je vais pas faire que ça, mais... Voilà. Donc, une fois que vous allez avoir appris ça, les gars, donc là, vous allez commencer à avoir pas mal de mécaniques, mais pas non plus des masses. Donc là, maintenant, vous allez prendre les extends, donc comme je fais. Donc là, vraiment, quand vous allez commencer à faire les extends aussi bien que ce que je l'ai fait, franchement, c'est que vous allez commencer à avoir un bon level. Hop, une fois que vous allez apprendre ces extends-là, vous allez commencer à faire des extends un peu plus compliqués. Donc, en gros, ces extends-là. Putain, mais même moi j'arrive pas à les faire tellement ça fait longtemps que je les ai pas faites, wesh. Attends, comment je faisais? Mais wesh. Bon. Voyez le genre. Ah voilà, c'est bon. Ok. Bon, vous avez compris. Mais là, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à les faire. Bon, voilà, vous avez compris. Hop, une fois que vous allez avoir fait celle-là, vous allez commencer à faire celle-là. Donc celle-là, c'est clairement les plus difficiles. En fait, au début, ça va être facile, ouais. Hop là. Hop, et voilà. Et là, il va y avoir ce moment-là, et là, vous allez vous dire, ah, merde. Bah, en fait, c'est juste parce que vous allez pas assez vite, et au fur et à mesure que vous allez pas assez vite, et bah, du coup, vous passez devant. Et donc, voilà. Donc, là, c'est très important d'aller assez vite et de bien. Mais même si vous faillez, vous devez essayer d'aller le récupérer. Bon, là, je vais arrêter parce que ma souris m'était au bout de mon tapis. Vraiment, donc, le but, c'est d'aller, voilà, comme j'ai fait jusqu'au bout de mon tapis, et de bien. Voilà, même si vous faillez essayer de récupérer au dernier moment. Vous avez vu tout à l'heure, c'est passé plusieurs fois hein, de récupérer au dernier moment. Parce que, en fait, ce que je veux dire là, c'est que par exemple, si t'as un gars au-dessus là, et que tu fais l'extone comme ça. Enfin, non. Donc, tu fais l'extone comme ça. Tu vois pas avoir le réflexe de faire ça, tu vois. Bon, voilà, moi je me fail. Et voilà, vous êtes pas tous un minimum assez fort pour commencer à faire des extones en mode comme ça à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire, genre. Genre, voilà quoi, vous m'avez compris. Voilà, donc hop. Donc vous voyez vraiment tous les types d'extones. Moi, c'est ce que j'ai fait avant, juste d'aller en lui-même. Hein. J'ai appris tous les types d'extones qui existaient. Voilà, hop là. Vous faites des bons petits trajets, ce qui attend de bien maîtriser, de bien avoir le mouvement. Voilà, donc une fois que vous avez le mouvement de celle-là, vous pouvez commencer à prendre le mouvement de celle-là. Voilà, donc il y a différentes personnes, ils les font différemment. Je connais qui font comme ça. Hop, et qui passent ici. Non, purée, ça c'est l'habitude. Hop, et ici, ils viennent, ils se mettent ici. Mais pourquoi je mets... Bon, vous avez compris, je pense. Voilà, comme ça. Il y a des gens qui font comme ça, des extons comme ça. D'autres qui font celle-là, donc... Ah ouais. Donc celle-là. Je sais pas pourquoi j'arrive que dans un sens, celle-là. Hop. D'autres qui font que celle-là, parce que en fait, si vous êtes en bord de zone... En fait, si vous êtes en bord de zone, mais vraiment bord de zone, et qu'il n'y a personne sur votre gauche là-bas, bah, ça sert un petit peu à rien d'utiliser des bulles. Parce qu'en fin de zone, vous savez que c'est très important d'économiser votre bulle, hein, parce que ça part très vite. 500 de bulles, ça part très vite. Donc, du coup, le but, c'est d'être vraiment... Donc, soit ce genre d'extend là, qui est vraiment économique, mais de ouf. Et qui permet d'aller assez vite au niveau de la zone. Ouais. Pourquoi je me fail? Je ne sais pas, je suis pas concentré sur moi. Voilà. Voilà donc. Vraiment de bien pouvoir faire ces extends. Vraiment toutes les apprendre bien comme il faut. Après vous avez même celle-là là. Là je l'ai fait brouillon mais. Je suis pas train pour aller faire une arène solo après quoi. Vous avez compris. J'ai tourné ma vidéo et j'ai lancé mon jeu en même temps quoi. Donc après, j'ai une petite technique pour les gens qui savent pas faire des 90 CCF. Ça c'est pas un souci, je vais donner la technique tout de suite. Donc là on a fini avec les extensions tout ça. Maintenant on va passer à la technique pour les 90 degrés. Donc beaucoup de personnes ne savent pas comment faire des 90 degrés sur PC. Donc les gars, ce qui va être très important c'est de faire ce mouvement là. Essayez de vous coller dehors. Après vous allez avoir un timing, vous allez commencer à faire ça, ça. Et souvent ce que font les joueurs au tout début, c'est qu'ils mettent ça, ils continuent. Et à partir du moment où vous allez faire des 90 sans sol, vous allez même plus penser à mettre votre sol. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, ça va faire comme moi.
Quand vous allez commencer à vouloir apprendre à faire des 90 avec sol, mais qu'est-ce qui va se passer? Votre sol, vous allez le mettre au-dessus. Ouais, bon, là, c'était clairement le meilleur exemple. Mais oui, enfin, voilà, vous voyez, je suis pas habitué, je les ai jamais fait comme ça. Et en fait, votre sol, au lieu de se mettre en-dessous parce que vous allez pas avoir le geste, il va se mettre au-dessus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que voilà, apprendre le mouvement directement. Et donc, du coup, le mouvement, il est simple. C'est d'abord les murs, ensuite le sol, et ensuite l'escalier. Il faut savoir que plus vous allez être rapide avec vos doigts, et plus vos 90 vont être propres, hein, clairement. Hop. Donc maintenant, une petite technique pour avoir le 90 à l'infini. Donc vous allez faire ça, vous allez faire ça. Bon. Hop. Et une fois que vous allez arriver là, vous allez mettre votre cam toute. Vous allez viser le plus bas que vous pouvez sans vous perturber. Et vous voyez, vous mettez votre mur et votre escalier, ça se build tout seul dans ce sens-là. Et vous n'avez plus qu'à continuer. Bon, là je t'attends max. Putain, ça passe vite. Et voilà. Donc ensuite, pour les retakes. Donc là, je sais que là, les gars, on voit pas mal de trucs dans une vidéo. Hop, retake simple. Ici. Hop. Voilà, hop. Ok. Hop. Ensuite, vous avez une autre retake. C'est que ça va commencer à aller comme ça. Comme ça. Ah, mon escalier que j'ai pas posé. Bon, bref, vous avez compris, j'ai pu la faire ralentir, mais genre, c'est presque impossible. Voilà. Hop, et vous allez venir faire ça. Et après, continuer avec un seul de nouveau. Faites pas comme moi, essayez de faire le Kekos. Vous avez compris. Ensuite, une autre retake. Hop, celle-là. Hop, 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 hop. Donc là, soit vous mettez votre escalier comme ça et vous continuez votre chemin comme ça. Ou alors vous en faites une autre comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est celle-là. Hop. Et après, vous éditez en double ici quand votre escalier est comme ça. Vous éditez en double ici. Vous en retapez une comme ça. Et vous pouvez en retaper une en double. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Moi, je sais que j'aime bien les faire un peu toutes. Les toutes me dérangent pas, clairement. Parce que moi, je fais pas vraiment, ça me dérange pas. Hop, après il y en a une autre aussi, c'est celle-là. Donc attendez, parce que celle-là je la fais, mais voilà, c'est celle-là et vous continuez à avancer. Voilà, hop. Donc voilà, donc je vous ai montré à peu près c'est quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre? Ouais, si celle-là. Hop. Ah. Ouais, je pense que vous connaissez le mouvement de toute façon. Alors, vous venez ici, vous faites un truc assez stylé avec votre caméra et vous terminez comme ça. Bon, celle-là, c'est vrai que je l'utilise pas trop. Genre, vraiment, c'est clairement l'un de ma préférée. Pareil, petite technique, les gars, c'est genre si jamais ça vous arrive. C'est parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, clairement. De ce fail, ça arrive à tout le monde, même à moi, ça m'arrive. C'est que genre par exemple, vous voyez, vous allez arriver, vous allez éditer ça comme ça et vous allez commencer à faire ça. Ou même vous allez faire ça comme ça et vous allez vouloir passer. Donc là, pas de souci, ça va mettre votre mur ici. Ce que vous faites, c'est vous faites genre c'est fait exprès. Et vous faites une sleazy tout simplement. Clairement. Et genre ça va se faire tout seul, hein, vous allez voir. Et clairement, vous faites une sleazy, voilà. Et en fait, ça va rattraper votre fail en 2 secondes. C'est vraiment magique. Cette technique, je l'ai jamais aperçu avant. Je me suis aperçu il y a pas longtemps en fait en me faillant, je me suis dit bah, pourquoi pas faire ça en fait. Mais quel génie. Et voilà. Donc vraiment ce qui est important de travailler, c'est dans l'ordre que je vous l'ai dit. Ça sert à rien de brûler les étapes. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé les gars. Et on va passer à la vision du jeu in-game. Voilà. Et voilà.
Ah oui, et les gars, j'avais oublié, petite parenthèse vite fait. Pour l'IM, il n'y a pas de secret, les gars. C'est plus vous allez jouer et plus ça va venir. Map IM, très important au tout début pour apprendre les bases de votre IM. Et après, c'est vraiment jouer, faire full BF. Le mieux, c'est faire full BF box fight. C'est vraiment ce qu'on entraîne le plus. Parce que le problème de l'IM, c'est que vous allez vous faire cheaton parce que vous n'avez pas d'IM et ça va jamais vous entraîner. Vous allez juste vous faire cheaton et ça va pas vous entraîner parce que, en fait, le fait de faire des BF. C'est que en fait au bout d'un moment, si par exemple vous êtes bon en build et que vous avez un aim de merde, vous allez pouvoir prendre les hauteurs comme ça, donc voilà, vous allez spam les 90 degrés, vous allez être contre un adversaire, voilà, il s'est peut-être pas trop build. Donc là ce qui va arriver c'est que vous allez dans une situation où vous allez commencer à pouvoir le tirer dessus. Voilà, il va faire une take, boum, vous allez commencer à faire des trucs comme ça. Et en fait à un moment vous allez voir, oh il m'a brain. Et d'un seul coup vous allez avoir ce réflexe, vous dites hop. Et genre pile comme ça et vous êtes choqué de vous-même hein. Ça m'est arrivé aussi au tout début, j'étais choqué de moi-même d'avoir su que juste en faisant ce mouvement là, mais genre vraiment c'est un réflexe, mais ça va venir comme ça, ça pop dans votre cerveau, vous allez faire ça, il y a peut-être une de fou ça fail, puis vous allez dire ah ouais la dernière fois je donnais un coup trop vite, mais du coup ce coup là quand je le refais, parce que je sais à peu près où est-ce qu'il va se mettre, je vais le faire un peu plus doucement, puis peut-être une fois vous allez le faire trop doucement, je vais dire oh putain faut que je fasse attention, c'est bien comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois, et voilà. Et puis même, le plus important les gars, c'est quand vous faites un BF contre quelqu'un, vous voyez bien qu'il est plus fort que vous. Et bien, simplement, vous allez analyser son style de jeu. Si vous voyez que son point fort c'est l'IM et que le vôtre c'est l'IM, bah déjà, changez tout de suite. Si vous voyez qu'il a un meilleur IM que vous et que votre point fort c'est l'IM, changez directement votre stratégie de jeu. Vous avez perdu d'avance. Si votre point fort c'est l'IM et qu'il est meilleur que vous en IM, c'est déjà foutu d'avance si vous commencez à jouer l'IM contre lui. Vous allez tirer des balles. Ah ouais, c'est sûr, vous allez lui mettre 70, mais le gars vous mettez en 120. 70 plus 120, vous faites le calcul. En 2 balles, vous êtes mort. En 3 balles, il est mort. Voilà. Donc, par exemple, si vous voyez qu'il commence à avoir un bon IM, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à spam. Des overbulls. Vous voyez qu'il continue à vous cheaton. Ok, pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer, vous allez venir. Hop. Et vous allez jouer full agressif. Parce qu'il y a des joueurs, ils aiment pas quand on joue full agressif. Hein. Vous allez venir, hop, vous allez chercher le map edit. Hop. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites des trucs comme ça. Vous voyez, vous essayez de le perdre un petit peu. Hop. Vous venez, hop, là, vous rentrez des trucs comme ça. Hop. Hop. Vous lui faites peur en fait. Bon là en fait j'ai pas d'ennemis, donc du coup c'est compliqué de vous expliquer comment faire, mais vous avez compris à peu près le principe. En fait le but c'est de chercher à lui faire peur. Si vous voyez qu'aucun de vos styles de jeu lui fait peur, c'est que vous avez pas encore pris assez de niveau et que vous retournez vous entraîner. Tant que vous arrivez pas à comprendre le style de jeu de quelqu'un et que vous arrivez pas à le battre par rapport à son style de jeu, c'est qu'il faut retourner vous entraîner. Bon sort les gars, faut pas prendre des monstres qui sont plus forts que vous partout dans toutes les matières hein. Et genre à partir du moment où vous voyez un joueur manette qui est pas trop fou, que vous voyez que je peux lui mettre un 38-0 en trollant en journoscope, c'est que là il y a un souci. Et que vous êtes pas censé entraîner et que vous avez voulu brûler quelques étapes. Voilà. Si vous arrivez à bien train toutes vos edits, par exemple, vous voyez, vous retrouvez en box. Situation toute bête, le gars reprend votre mur. Vous voyez que là, il vous reste 2 secondes pour vous enfuir. Là, vous faites ça, vous bloquez comme ça, il perd 3 secondes. Vous faites ça et vous partez. C'est sur ce genre de situation là qu'il faut chercher. C'est en gros, si vous voyez que le gars arrive mieux à prendre la hauteur sur vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à vous box, le gars va perdre patience. Si il vient pas, bah vous allez commencer à le titiller, vous allez lui dire ah bah alors on a peur, on fait le gars devant moi, vous voyez, faites des trucs comme ça, bah alors ça fait le gars devant moi mais c'est même pas capable de venir me chercher en box. Et il va dire ouais bah t'as qu'à monter, c'est juste que t'es nul en bulle. Tu dis bah c'est un homme, enfin vous voyez comment. C'est un homme, vient me chercher. Du coup, le gars, vous voyez, il va commencer à perdre patience. Il va dire, bon, allez, hop, on va le chercher. Il va commencer à retick votre mur. Faites soit ça, mais je vous conseille pas de faire ça parce que le problème, c'est que si il vient retick votre mur, il vous commence à partir ici. Il a juste à prendre l'angle ici. Il voit votre tête jusqu'à temps que vous soyez là. Même, oui, même très loin. Donc, le mieux, c'est de bien aller chercher ça. Et vous commencez à edit comme ça. Hop,
vous sortez, soit vous mettez un mur ici si vous êtes assez bon mécaniquement. Moi je sais que je suis pas encore assez bon mécaniquement pour pouvoir me permettre de mettre un mur ici. Hop. Et vous allez fuir directement. Hop. Après, autre stat, autre technique. Le gars, vous lui faites une feinte, vous voyez qu'il va prendre la décale sur vous, et hop, et vous repartez dans le sens. Et par contre, ce coup-là, vous prenez bien la précaution de bien fuir et de vite partir de là où il est. Parce que le problème, c'est que là, ce qu'il va faire, c'est que, on va imaginer la situation du jeu. Hop, il vient, il veut vous rétablir votre mur. Vous voyez que là, il a directement le point de vue. Donc si jamais il s'y attend, boum. Que là, vous voyez, il va se mettre là, il va commencer à... Vous voyez, il va vouloir hiter, qu'il va dire, oh mince, il est en train de partir. Il va regarder là, il va voir, ah bah il est parti. Et là, vous voyez, vous êtes déjà à la hauteur, il va commencer à vouloir reprendre la hauteur, parce que vous, entre temps, vous aurez déjà eu ça d'avance quoi. Le gars va être là. Donc là, il va falloir qu'il reprenne la hauteur. Et donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc là, soit vous retournez et commencez à lui mettre une balle, soit continuer à monter jusqu'à temps d'avoir une possibilité, des trucs comme ça. Voilà. Et c'est vraiment ça qui va être fort, c'est de pouvoir se box et de se dire, c'est pas grave si je suis box, parce que c'est un moyen de break. C'est vraiment une bonne technique. La boxe en boxe en BF, c'est vraiment une bonne technique. Après en box fight, c'est plusieurs techniques qui changent, parce que vraiment en box fight, c'est un peu plus compliqué de fuir, etc. Quand on se retrouve dans un angle et tout, c'est plus compliqué. Voilà. Donc c'était la fin de cette petite partie sur l'IM, le build et l'edit. Et puis du coup, les gars, on va se retrouver dans les situations de jeu, et les erreurs à ne pas faire, etc. Et donc on va partir directement sur une game que j'ai faite tout à l'heure en Arène Trio. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que votre game échange en fait. Quels sont vont être les éléments que votre game va être bonne ou pas. Donc voilà, donc je vais vous remettre exactement la situation comme elle s'est présentée. Bon, voilà, donc à tout de suite les gars. Hop, du coup, les gars, donc du coup, voilà, donc on se retrouve donc dans la game de tout à l'heure, donc qui s'est passé en Arène Trio avec mes mates. Donc simplement ici, comment vous décrire la game? On était assez bien dans la game, et donc on savait qu'il y avait une team qui avait spawn dans le fond, du coup on a choisi de spawn tous les trois, donc je vais essayer de vous décrire le mieux la situation. Ok, bon, c'était pas ça que je voulais faire. Mais en gros, si vous voulez, nous ce qu'on a cherché à faire, c'était de surprendre l'ennemi. Donc en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se mettre à 3 dans les mêmes maisons. On s'est mis shield comme on pouvait avec des splash. On avait des mini, des splash, on s'est mis shield comme on pouvait. On a essayé de se répartir le stuff du mieux possible. Tout ça dans de brefs secondes, hein, vraiment dans de brefs secondes. Et dites-vous que c'était notre deuxième game de trio, hein. C'était un tout nouveau trio. Et donc juste avant la game, en fait, si vous voulez, les gars, on s'est dit, voilà. Trunks, ici présent, il avait pas de spawn en trio, voilà, il avait aucun spawn défini. Norox, il m'a dit, moi j'ai Holy Edge, et moi je lui ai dit, moi j'ai la flottille. Ce que j'ai dit, c'est que vu que moi j'arrive bien à m'adapter au spawn, que Trunks, personnellement, lui il avait pas de spawn, donc il s'en foutait. On a dit, Norox, écoute, on va à ton spawn, on te fait confiance, on sait que t'es celui qui a le plus de mal dans l'équipe, t'es sur Xbox, t'as le plus de difficultés, on te fait confiance sur le spawn, on te fait un spawn que tu connais comme ça. Tu vas le plus loin dans la game. Bah écoutez, vous verrez si ça paye à la fin. Ce qu'on a fait, c'est que du coup là on a commencé à aller surprendre l'ennemi. Moi ce que j'ai dit, c'est que je vais prendre l'information. Vous restez derrière, vous me couvrez, vous me prévenez de tout ce qui se passe sur mes côtés, sur mon derrière, sur mon devant, partout. Ils m'ont dit ok. Donc du coup là ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis bien niveau bulle. J'ai full farm. Donc là c'est à ce moment là où j'ai dit les gars je vais aller prendre l'information. Et donc là ils m'ont dit fais gaffe ça monte. Quand, au même moment où je me suis dit ok peut-être 41 là ils ont dit j'en ai un laser 1 il est no shield. Du coup j'ai commencé à aller prendre l'information voir où est-ce qu'ils étaient. Et donc là à ce moment là en fait les gars simplement je leur ai dit ok les gars, il y a deux mecs à cet endroit là à droite derrière. Et le gars en dessous de moi il est solo. J'ai vraiment dit ce call là. Et c'était très important de dire ce call là parce que vous verrez qu'à la fin c'était déterminant. Du coup ce qui s'est passé, c'est que là on a attendu. Ici, vous avez Trunks qui est passé au-dessus, vous avez Norox qui est passé au-dessus, ils ont été prendre l'information sur les mecs de derrière. Moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, il y a un gars en dessous de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fight? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'aille fight le gars en bas, c'est mon mate. C'est mon gars à aller jouer.
Du coup, j'ai commencé à descendre. J'ai commencé à le chercher. J'ai trouvé sa position. J'ai dit, les gars, j'ai retake son build. Venez sur moi, on l'a free. Sauf qu'ils avaient déjà commencé leur fight, mais moi j'étais pas au courant parce qu'ils m'ont pas call. Ça, c'est pas grave. Donc, du coup, moi j'ai commencé à fight les gars. J'ai commencé à reprendre ses builds et tout. Là, il avait fait, je m'en étais pas aperçu. Vous voyez la POV, je pouvais pas m'en apercevoir. Là, du coup, ils ont commencé à me dire ouais, go aller avec nous, Nas. Ils sont dans le mal. Du coup, j'ai commencé à décaler. Et là, j'ai vu le gars ici, justement. Et donc là, je me suis dit, j'ai encore assez de builds. Je crois qu'il me restait 200 de builds. Du coup, je me suis dit, go commencer à retake des trucs et tout. Je peux me permettre. Hop, vous voyez, donc là j'utilise mon build. Hop, là j'ai retake son build et j'ai vu qu'il s'est barré. Du coup, là j'ai laissé la décale et là voilà, il a fait cette erreur là. Et à partir du moment où il a fait cette erreur là, j'ai dit les gars, il y en a un KO. Et là, vous voyez qu'au même moment, Norax il était mort. Et là, je me suis dit merde, il y a Trunks qui est bon, il y a moi qui suis bon. On est en 2v1, mais merde quand même. Parce que le gars était. Le gars à la fin, vous allez voir que. Voilà. Donc là moi je finis pas le gars et je vais directement chercher Norox. Donc là vous voyez que je mets un moins 30. Et là l'erreur que j'ai fait les gars, l'erreur que j'ai fait, c'est que quand j'ai rush, vous voyez, à tout moment ici j'aurais pu finir le gars juste avant. Sur le move juste avant j'aurais pu. Ici vous voyez les gars, j'étais plus en fait en train de donner des calls. J'étais en train de donner tous les calls à demander des trucs. Et donc du coup je faisais plus attention à mon écran. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vu le gars. En fait mes réflexes étaient. Vu que j'étais moins attentionné à mon écran et plus attentionné aux calls que je demandais et tout. Du coup j'étais pas attentionné à mon écran. Et vous voyez, j'avais pas fait attention. Et là du coup quand je me suis aperçu, par contre vous pouvez voir que j'ai mis un bon cheaton. Mais à tous les coups là les gars, j'aurais pu mourir sur ce move, hein. C'était extrêmement risqué. Hop, et donc là le game met un sale turn quand même, hein. Mais voilà. Après, vous voyez que mon AIM a fait le nécessaire. J'ai mis un turn aussi. Donc là voilà, on a été récupérer Norox et tout. Donc là j'ai rentré de kill. Et voilà, donc du coup Norox il s'est fait cheaten, mais après on a réussi à gérer. Donc après il y a eu la décale de zone et tout. Donc là il y a eu le full farm. Hop. Voilà, donc là on a commencé à décaler. Donc là vous voyez qu'on est extrêmement split, mais c'était pas très important parce qu'en fait le truc c'est que l'eau elle permet de décaler assez vite. Et vous verrez qu'au final en zone j'étais plus rapide qu'eux. Parce qu'en fait moi j'ai farm à Holy Edge et eux ils ont farm ici en fait. Et au final ça leur a pas donné grand chose parce que j'étais plus vite qu'eux. Mais voilà. Après ça c'est des calls qu'ils peuvent pas forcément savoir, hein. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai déjà dépassé nos rocks. Et voilà, donc là j'étais full métal, j'étais full bois. J'étais plutôt bien. Voilà, donc là on peut voir qu'ils se sont pris des dégâts de zone. Trunks pas trop, Norox beaucoup. Moi j'ai rien pris. Ça se voit ma vie. Donc là voilà. Donc là je commence à prendre l'information. Et là je dis, il y a un gars en planeur à l'autorité. Du coup, Gorota par la montagne. Ça sert à rien d'aller à l'autorité, ça veut dire qu'il reste du monde. Du coup là je en fait là j'avais un truc comme 20 pierres parce que j'avais pas farm à Holy Edge. J'avais dit ça sert à rien de farm les murs, on farmera en zone, il y a largement de pierres qu'il faut là-bas. Du coup voilà, ils ont commencé à prendre information montagne, c'était deux, j'avais pas besoin de rester avec d'aller avec eux. Du coup moi j'ai continué à farm et tout ça. Et je les ai laissés faire leur petit truc, tu vois. Donc, là voilà, j'ai loot un petit peu tout ce que j'avais à loot. Là on a commencé à rota et tout. Donc là vous pouvez voir qu'il y avait un gars solo que j'avais vu au grappin. Et j'ai dit les gars, il est solo au grappin, on peut le jouer. Et ils m'ont dit ça sert à rien de commencer à rush et tout. On sait qu'il est solo, on tente des balles de loin. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Là on a continué à router et tout. Donc après les gars, c'est très important, c'est de jouer en groupe, hein. Voilà, là j'étais un petit peu loin quand même. Donc là on a eu la rota de zone qui a fait assez mal. Je sais même plus pourquoi. Ok, bon, on va analyser un petit peu, je vais mettre en plus. Ouais, voilà. En gros, c'est parce que Norox m'a dit qu'il avait que 100 de métal, 200 de métal. Du coup, je lui ai dit, ok, attends, je vais te farmer un petit peu de métal, il est en zone. Du coup, c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de dégâts de zone. Voilà. Il faut savoir que j'avais encore un kit. Voilà, et donc là, on a vu qu'il y avait pas mal de monde. Voilà, et donc là en fait, si vous voulez, il y a Trunks qui commence à se faire pas mal aggro. Du coup, je lui ai dit, ok, BG, commence à recharger tes armes, commence à tempo et tout. Et nous, on va te couvrir, tu vois.
pas la peine de s'inquiéter. Norox, vous voyez, il est à 50 HP de vie, du coup je l'ai protégé. Je lui ai dit t'inquiète, Metal Kid, je te protège et tout. T'as pas à t'inquiéter, je suis là. Quoi qu'il arrive, tu l'arrêtes pas, sauf si on vient de casser en dessous. Bah, forcément, tu seras obligé de l'arrêter. Hop. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu les mecs qui retardent. Et là, j'ai dit les gars, je crois que lui, c'est le gars qui était low. Ouais, ouais, c'est le gars qui était low. Et j'ai dit les gars, il reste un. Non, c'est lui, voilà, c'est lui. Et j'ai dit ouais les gars, lui il est solo, ça veut dire qu'il doit être low. Du coup là j'ai commencé à monter et là j'ai commencé à dire 20 blancs, 20 blancs. Du coup là ils se sont excités, ils ont commencé à spam sur les mecs et tout. Et après vous allez voir la suite et c'est un peu bête ce qui se passe après, c'est un peu bête, c'est vrai que c'est un peu bête. C'est que en fait vous voyez là, là je faisais des décals et tout. Et là en fait j'ai vu le gars avec la vénarde et je pensais que c'était le gars qui avait un HP. Du coup vous voyez je commence à mettre des pics et tout. Et le problème c'est qu'à tout moment là j'aurais pu lui prendre une tête. J'ai pas vu qu'il y avait un gars qui me regardait à la carabine en fait. Et genre là moi j'avais que des kits. Du coup là t'as Trunks, il me passe des mini potes, il me dit mets-toi des mini potes. Et Norox te passerait une grosse pote en zone. Du coup on commence à rota et tout. Donc là voilà vous voyez je récupère mes kits. Et là en fait je pensais que Trunks était parti sur... En fait là c'était un mauvais call, c'est que je pensais qu'il était parti sur le pad. Et en fait non, il était parti chercher une carabine et ça il me l'avait pas call. Du coup je pensais que le pad était sur lui mais non. Mais du coup bon, ça c'est pas très grave non plus hein, mais c'était une petite erreur bête. Donc là vous allez voir un truc les gars, vous allez être choqués. Même lui c'était choqué. Parce que vous voyez je commençais à tenter des trucs. Là j'ai tiré dans la montagne sinon il se tapait la tête hein. C'est vraiment ça qui est dommage. Là ça commence à tirer et tout. Et là ce gros chien lui, je peux vous dire que lui je l'ai insulté. J'ai dit mais lui il veut pas décaler en zone, il se prend des dégâts de zone mais juste parce qu'il a envie de me tirer dessus ce gros chien. J'ai dit ça mais on se souvient j'étais en train de péter un cap sur lui. Du coup j'ai dit attends lui tu vas voir si je calpe une tête à sa grosse mère. J'ai dit ça hein, les gars je vous promets, j'ai dit ça vous prenez cette façon. Et il a commencé à vouloir me mettre des balles et tout. J'ai dit allez vas-y perds pas ton temps. Là j'étais mettre le petit feu de camp. D'ailleurs vous allez voir j'ai fait une petite erreur mais bon, c'était pas grave. En fait j'étais habitué à lancer une compo du feu de camp et en fait vous allez voir que je me suis brûlé avec en fait. Tout simplement. Voilà. Je me suis brûlé avec, j'avais oublié que c'était le feu de camp comme ça. Calme. Au final j'étais à 98 HP mais... voilà quoi. C'était une petite erreur bête mais voilà ça arrive. Et là regardez bien les gars ce que j'ai rentré. Vous allez être choqués. Hein. Voilà hop et là boum. Le gars je le tue comme ça. Le gars je le tue comme ça. Je tente une vieille balle. En fait je tente une vieille balle. Voilà en mode backstab et ça passe. Voilà c'est en fripon. Comme ça. Donc, voilà. Et donc là après ici on commence à. Je leur dis les gars il n'en reste plus qu'un. Vous pouvez le jouer et tout. On tente de lui mettre une grosse tête. Bon là on n'aura pas réussi. Je vous passe le moment parce que c'est un peu. C'est un peu long. Donc là il va y avoir tout le moment de la end zone et tout. Donc là on a rota. Vous voyez où est-ce qu'on était. Donc là on a rota en dessous de la montagne. Là on a commencé à se mettre en zone, on s'est mis des splash. Et donc ouais voilà, là les gars il y a eu ce moment là où on a eu un peu peur pour Trunks. C'est qu'en fait j'ai vu le gars qui était en haut là. Et j'ai dit Trunks derrière toi sur le bâtiment il y a un gars, fais gaffe gros. Et heureusement que je lui ai dit ce call parce que sinon vous voyez, vous entendez hein, le bruit de la carabine. Il était mort, hein. Il était clairement mort hein. Du coup heureusement ça a sauvé. Heureusement que ça a sauvé parce que là si je disais pas le coller, je tentais juste de tirer sur le gars, c'était fini. Et donc là en fait ce qu'on a dit, j'ai dit mec là-bas regarde t'es une grosse pote, j'ai les ping et tout. Et tout derrière on a vu le stuff, on a dit les gars go y aller, en plus ça va être en zone et tout, je leur ai dit. Et du coup ils ont commencé à décaler parce que bah logique c'était un free stuff et tout, et puis il y avait un pad et tout, donc vraiment ça valait le coup. Du coup on a décalé et regardez, comme ce que je dis souvent, la zone elle était sans doute. Voilà. Donc là j'étais full build et tout. Et là vous allez voir c'est quoi mon erreur après. C'est que j'étais un petit peu trop gourmand et au final ça aurait aidé. Mais j'étais trop gourmand. Vous allez bien voir je parle pas. Donc ça après les gars ça, c'est juste de l'analyse de game hein. C'est pas ouf. Mais ça vous permet d'avoir certaines stratégies du jeu quand vous jouez avec le trio. Voilà, donc si jamais vous avez du mal à jouer avec votre trio, vous comprenez pas pourquoi, bah ça peut vous aider un peu. Là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, ok, bon, bah là, j'ai pris un petit peu l'aggro. Mais le principal, c'est que j'ai ramené les trucs et ça a vraiment carré après. Hop.
Donc là j'ai vérifié, il n'y avait plus personne qui me focusait d'en haut, du coup j'ai commencé à décaler tranquille. Et en fait j'ai remarqué que là-bas il restait la grosse pote. Et là je me suis dit, est-ce que j'y vais? Et je me suis dit, Nas, ça sert à rien d'être gourmand. Je me suis dit, t'as réussi à passer, t'as pris une balle, la prochaine fois tu vas peut-être mourir. Et au final j'ai bien fait parce que regardez, ici, il y avait toute une team là. Il y avait toute une team ici. Et eux ils m'auraient focus en fait. C'est ça que j'ai bien fait. Voilà, donc là du coup j'étais dans ma box. Et là, ce que j'ai vu, là je voyais le gars, donc c'était un skin poisson, et je l'ai vu depuis tout à l'heure, il faisait que de regarder comme ça, il faisait pas trop attention à ce qui se passait derrière lui, du coup j'ai commencé à essayer de lui mettre des balles à travers, mais ça a pas réussi, malheureusement. Mais vous allez voir qu'au final, il va bouffer son shiton. Voilà, et donc là je dis les gars, quoi faire tomber, ils sont en train de décaler et tout. Je leur ai dit, ouais, il y en a un, il est blanc, il est grave bleu et tout. Et là j'ai commencé à... Attendez. En fait, vous voyez, à ce moment-là, quand ils sont tombés, j'ai crié « Yes, ils sont morts !» En fait, j'avais pas vu qu'ils pouvaient se rattacher encore. Du coup, j'étais un petit peu dans l'euphorie et tout. Du coup, j'ai commencé à dire « Ah bah non, en fait !» Du coup, c'était grave drôle. Et là, on va en tomber. Et là, je dis « Ah bah alors lui !» Et au final, il est remonté, on l'a laissé tranquille parce qu'on a... En fait, là, on était à 160 balles derrière chacun, à peu près. Et du coup voilà, on a commencé à tempo et on s'est dit go les garder. Et là j'ai revu le skin poisson pique et là je me suis dit, alors lui il veut bouffer son shit, non. Et au final il a arrêté de pique. Et là je me suis dit, moi tous les coups ils mettent une décale, ça sert à rien de prendre des piques pour rien, go tempo. Voilà, donc du coup là ce qui s'est passé les gars c'est que vous pouvez voir la zone. Donc là je me suis dit ok, les matelas il va falloir que tu prépares ton edit et que tu les mettes droit vers la zone. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Voilà, donc là c'est la balle ratée. En fait, et là je savais pas sur lequel tirer. Je savais vraiment pas sur lequel tirer, du coup je me disais bon bah décale. Simplement décale. Et là il y a Norex qui s'est pris un laser, du coup j'ai essayé de l'aider. Il a arrêté de se prendre un laser, du coup je me disais bah vas-y, bah go refocus les mecs qui avaient de base. Et là j'ai vu un gars, il a commencé à vouloir me jouer tout. Du coup je me suis dit ok, alors toi mon coco attends. Là j'ai pris la hauteur, j'ai vu c'est pris des sales dégâts. Du coup là j'arrive, boum, je le broque. Et j'ai vu son mec, son pote passer de l'autre côté. Du coup là je me dis ok, ici je savais que c'était mon build. Du coup j'ai été, je suis passé au dessus, passé directement. Et là j'ai vu son mec m'a surpris, hein, vraiment il m'a surpris. Heureusement il était one shot hein, parce que sinon j'étais pas. Et son mec m'a vraiment surpris hein. Hop, et donc là je commence à me dire mais putain mec j'ai 40 HP, la zone elle est assez loin. Vous allez voir que j'ai un petit peu chat sur la zone. Et là je me dis bon les gars, j'ai 8 HP, va falloir que vous m'aidiez parce que là je vais mourir. Et du coup ça va, ils ont été assez cool, vous voyez qu'ils sont restés avec moi. Et là j'ai flippé, là je me dis ok je suis mort. Et heureusement vous savez ça a fait le truc du bug où en mode ça m'a désenlevé la tempête, sinon j'étais mort. Heureusement d'ailleurs. Donc là vous voyez il y a Nora qui s'est fait bloquer, je lui ai dit frérot reste pas bloqué, je vais t'aider et tout. Et au final j'ai vu c'est débloqué au même moment. Et donc là en fait ils sont en train de chercher où est-ce qu'ils étaient les mecs. Et là j'en vraiment passé, boum. Là j'ai dit les gars lui faut le chiton, il est grave bleu et tout. Il est bloqué zone et tout. Et en fait j'avais pas vu que c'était son mur de l'autre côté. Et donc du coup bah vous voyez que Norex s'est passé de l'autre côté pour le kill. Et là il y a eu lui au dessus. Et là je me dis mec t'as 40 HP, là c'était pas de le faire. Et ils l'ont fait. Voilà. Voilà voilà. Et du coup voilà on a top hein. Voilà donc j'espère que vous aurez compris un petit peu les gars comment apprendre à jouer en groupe. Donc voilà, donc c'est très important en fait. Le fait d'utiliser plein de mécaniques de groupe et pas solo. Et de penser à ses potes et en même temps penser à soi. Vous voyez que ça amène au final à une victoire. Faut savoir que c'était la deuxième fois, la deuxième game où on était en train de jouer ensemble. Et vous voyez qu'on a réussi à rentrer un top 1. Certes, on a fait que 8 kills. Vous pouvez dire ouais, t'as fait que 8 kills, c'est pas ouf. Voilà, bah, c'était déjà bien pour la deuxième fois qu'on était en train de jouer ensemble. Sachant que la première game, on a fait un retour lobby contre des mecs, le game shitton avec un pompe. Il avait shield, pompe AR, j'avais que AR, et j'ai enlevé plus de dégâts que lui avec son pompe. Voilà. Bref, je parle pas, ça sert à rien, j'ai encore la mort, ça se sent. Voilà. Donc du coup, je pense que je ferai pas le débrief d'une game solo, ça sert à rien. Moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est les mécaniques de groupe. Les mécaniques solo, c'est à vous de les bosser, c'est comme pour du BF. Sur ce, c'était Nas. Merci pour cette petite vidéo qui risque de durer extrêmement longtemps, je m'en excuse. Et j'espère que vous la visionnerez entièrement et qu'elle vous apprendra toutes les mécaniques. Et j'espère que vous serez à Fortnite après tout ça. Voilà, merci, c'était Nas, bisous.
Je vous aime, mes abonnés.